C'est le gaga, ton genre. Oui, je sais que je frappe beaucoup de personnes. Tout d'abord, la Chine, sous votre respect, hein? Apprenez un peu à me respecter aussi, ok? Apprenez à me respecter parce que quand je mets un post sur ma page que vous suivez, vous venez, ouais, non, ne fais pas des directs par rapport à je sais pas quoi, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Non. Je suis le président de la Chine. Je crois que, en tant que président de la Chine que je suis, hein, j'ai un staff, j'ai des conseillers, oui. Mais le seul maître, c'est moi-même. Oui, c'est moi-même. Après Dieu, là, voilà, le seul maître, c'est moi-même. Voilà. Donc, si je suis là aujourd'hui, hein, aujourd'hui qui font 14 ans de règne dans le coupé décalé, la musique qui m'a fabriqué, c'est pas pour rien. Vous comprenez un peu? Donc, je ne suis pas là pour vous manquer de respect parce que vous êtes mes fans. Mais sachez que, et puis je vous dis ça tout le temps en plus, vous avez vu l'exact que je pose et ce que je dis et ce que je fais sont calculés et travaillés. Je ne me lève pas comme ça pour venir faire chier les gens. Mais quand il y a la vérité à dire et que personne n'a des couilles, le couilleur vient parler. Oui, c'est moi, Daichi. Ok. Vous savez tellement bien pourquoi ce direct-là est là que vous avez commencé à parler. Ouais, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Non, il n'y a que mon père. Ma mère, même bien avant eux, là, il n'y a qu'un autre créateur, Dieu Tout-Puissant, que je respecte et que je respecterai toujours jusqu'à mon dernier souffle de vie. Voilà, je ne l'ai jamais vu, hein, mais je crois en lui parce qu'il m'a sauvé. Plusieurs fois, il continue de me sauver et il me protège de beaucoup de démons. Moi, j'adore les démons parce que s'il y a l'occasion de les manger, là, il y a les tabac comme des patates. Oui. Quand on vous dit que je suis un enfant béni, vous croyez que c'est de l'amusement. Les enfants de Dieu, on ne les touche pas. On ne les touche jamais, les enfants de Dieu. Et je suis un enfant de Dieu. Voilà. Bien avant de commencer, je tiens à vous dire d'abord que je suis Guéré, Bété, Ani, Gourou. Toutes ces quatre ethnies-là, de la Côte d'Ivoire, coulent dans mes veines, coulent dans mon sang. Donc, pour tous les Ivoiriens qui regardent ce direct en ce moment, vous savez très bien comment le Guéré se comporte. Vous savez très bien aussi comment le Bété se comporte. Voilà. Donc, je crois qu'on s'est bien compris. Mais je ne peux pas voir des foutaises de la part de celui qui se prend pour le maître du coupé-décalé. Mouri le moulin, c'est à toi que j'ai affaire. C'est même pas à quelqu'un que j'ai affaire. Tu vois? Tu m'as exploité. Tu as joué avec ma cervelle pendant plusieurs années. Si elle n'était pas ici dans mon direct, là, c'est parce que je t'ai dit qu'il était bloqué. Tu as essayé de m'appeler. J'ai même vu ton petit frère. Ton petit frère racontait que ouais, il allait me botter et que quand moi j'allais rentrer à Abidjan, il allait avoir affaire à moi. Ton petit frère, tu sais de quel petit frère je parle, n'est pas tellement important pour moi que je ne vais pas lui faire de la promotion ici. C'est à toi que moi j'ai affaire. Toi, Mouri le Moula, mon beau. Le père des enfants de ma cousine Mijane, ma cousine directe du sang. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je t'ai dit, le jour où tu vas mettre pas, c'est là, tu vas comprendre pourquoi je m'appelle Taishikan maintenant. Tu vas comprendre. Moi, j'ai toujours dit que tu ne me fais pas peur. Oui, les artistes qui tremblent devant toi, là, moi. T'es pas Dieu. Au moins, si tu étais Dieu, ouais, peut-être que je pouvais trembler devant toi. Vois, là, je te parle avec un esprit posé. Hein.
Mais quand tu regardes dans mes yeux, là, toi seul peux savoir si je suis honnête, si je suis fâché, ou si je suis en train de plaisanter, ou si je suis en train de juste faire ça pour du buzz. Je passe par ici parce que je t'ai bloqué, je n'ai pas ton numéro. Mais tu connais chez moi. Tu connais chez moi. Tu n'es même pas venu essayer de régler le problème avec moi. Parce que tu n'en as rien à foutre, je te connais. Toi, tu es le gars, tu t'en fous. Et pour te rabaisser, c'est difficile. C'est très difficile. Souvent, il faut apprendre à se rabaisser juste parce que tu as un intérêt à gagner. Mais souvent, et même moi, je le fais souvent. Bon, et allez droit au but. Comment tu te dis organisateur de spectacle? Comment tu te dis organisateur d'un événement aussi? Et tu arrives tout saoulé. Tout saoulé, hein, devant des directeurs de MTN. Et toi-même, tu n'as même pas donné l'exemple. T'es néné, tu viens, tu fais ton boucan, tu dis quand tu enlèves l'argent, tu fais travaillement devant tout le monde qui te regarde. Mais attends, on n'est pas au Pérou. On n'est pas au Pérou. Oui, pays Pérou, là, on n'est pas au Pérou. Faut donner de la valeur à ton événement. Tu as invité tous les artistes qui t'ont invité là, c'est méga. C'est méga. Si on s'entendait là, si tu étais venu nous voir, moi, de Bordeaux, Claire Bailly et Kedjibara, t'allais voir Fally Ipupa ici. Fally, c'est mon ami, c'est mon grand frère. Lui, moi là, c'est pas affaire de jetons. On a de bonnes affinités. Il allait l'appeler, allô Grando, ouais, non, ouais. Et puis il arrive là. Bien, est-ce que c'est fou? Tu as fait le groupe qui n'était pas venu nous voir parce que tu n'en as rien à foutre de notre gueule. Au fait, c'est ça tes fans ne savent pas. C'est ça même la Chine ne sait pas. Voilà. Mais moi, je n'étais pas là, toi. Parce que tu ne peux rien me faire aujourd'hui ni demain. Tous tes gars de Corée qui tu marches là, il n'y a pas un qui va bander. Excusez-moi, les fans. Il n'y a pas un qui va bander. Pour essayer même de venir devant ma porte, ou même me voir quelque part, même qui va essayer de me dire un seul truc. Parce qu'on n'est pas du même niveau. Certains gars du corps, je les respecte. Ils font des vidéos, mais chaque fois sur YouTube, je vois, t'inquiète pas. Je ne réponds pas, je ne vais jamais leur répondre parce qu'on n'est pas du même niveau. Mais il n'y a pas un qui peut bander, qui dit qu'il va venir essayer de toucher un seul cheveu de Daesh. C'est les locks se savent. Hein? Aujourd'hui, devenu le Lost Dash. Il n'y a pas un seul. Parce que moi, ma loi, c'est que je ne cherche jamais par là. Voilà pourquoi je n'aime pas qu'on me cherche par là. Je ne donne jamais le premier coup. Je laisse toujours les gens le faire pour gagner ma raison. Et puis, on n'est pas au zoo, on est dans un pays de loi. Voilà. Vous avez vu, moi-même, je suis rentré, je suis allé voir, la justice m'a convoqué, je suis allé, ah, les papas, voilà, ok, j'ai arrêté. Vous avez vu la décision qu'ils ont donnée. Je n'ai pas fait de bruit parce que je n'avais pas de bruit à faire. Je suis resté tranquille de mon coin. Mais toi, Mola, personnellement, c'est à toi que j'ai affaire. Tu viens, un, à ton événement, soumet. Deux, tu fais travaillement. Trois, quand toi-même tu regardes là, dans ça, là, dans ton événement, est-ce que toi-même tu es content? Tu n'es pas content? Parce que la vérité, on a dit, celui qui a travaillé dans cette histoire-là, pendant que moi j'étais en Europe, c'est le petit Safarello. Moi, comment tu m'as fait gagner? Vu que je n'avais pas dit à mes fans d'aller voter dans meilleur clip, dans meilleur, je ne sais pas quoi, dans meilleur artiste masculin, vu que je n'ai pas dit ça à mes fans n'ont pas fait ça, parce que moi, je voulais gagner le trophée d'abord. Hein, parce que, attendez, je vais me déplacer. Je vais aller dans mon salon. Yannick! Voilà. Désolé, il pleut. Donc, vous puissiez bien m'entendre. Je vais faire entrer dans mon salon privé. Voilà. Ici, c'est mon salon privé. Voilà, mon grand salon, il est en bas. Je suis chez moi à la maison.
Voilà. Donc, dans la vie, quand on veut quand même montrer qu'on est un peu intelligent dans sa vie, dans la vie, il faut bien quand même faire les choses. Il faut quand même bien faire les choses. Parce que... Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Parce que il est très important de savoir faire les choses. Tu ne peux pas venir dans ton événement saoulé et puis en plus encore, tu viens, tu fais des travaillements et non, ça se fait pas. Devant tous tes patrons de MTN, devant tous ces boss-là, et en plus encore, regardez comment vous faites vos choses. Il y a eu trop d'erreurs dans vos choses. Hein? Moi, pour moi, on devait donner ce qu'il y a à donner à sa farine. Il méritait plus que ce qu'il a eu. Parce que pendant que nous, on était en train de travailler, nous, on était en tournée en Europe, le petit, il a enchaîné quand même au moins trois hits. Voilà, il a enchaîné au moins trois hits. Il a même fait le palais de la culture qu'il a rempli. Voilà. Grâce à Daichi qui a fait des vidéos pour inciter la Chine à aller voter, et grâce aussi à Desbordeaux, et grâce à plein de personnes qui le soutiennent, qui l'aiment bien. Voilà. Et grâce aussi à la publicité qu'il a pu avoir. Donc, on fait les choses selon le travail. Voilà. Donc, tout ce truc-là, vraiment, ce mécanisme-là, pour moi, c'est de l'amateurisme. Voilà. Tu ne donnes pas l'exemple, Maury. Tu ne donnes pas l'exemple. Et moi, personnellement, je tiens à te dire ici que la voiture des awards qui est avec moi, là, depuis là, ce n'est pas dédouané. Je t'ai déjà dit, mon âme ne va pas rentrer dans cette voiture. Je ne la dédouanerai pas. Je vends la voiture en ce moment. Parce que, mes très chères femmes, c'est votre cadeau, oui. Mais votre cadeau, là, c'est un cadeau empoisonné. Parce que depuis que j'ai cette voiture, je me suis assis dans cette voiture que deux fois. Mais les personnes qui roulent cette voiture pour aller faire mes courses ou faire les courses peut-être de la mère de ma fille ou voire même pour beaucoup de personnes, ces personnes-là ont loupé la mort trois fois. Il n'y a même pas une semaine, la voiture a eu un accident. Mais un léger accident. Voilà, ça pouvait être pire, ça pouvait être grave, ça pouvait être moi qui allais être dans la voiture et peut-être ça, c'était moi. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un esprit qui cherche Daichi dans cette voiture. Donc, les fans, pour moi et ma propre sécurité, au lieu que vous allez entendre qu'un jour, non, bon, ok, l'artiste il est mort, je touche du bois. Hein? C'est mieux, hein? Cette voiture-là, je vais vendre ça, comme façon tu as donné ça aux taxes-là, je vais vendre ça. Et puis maintenant, celui qui a payé, là, il va payer sa douane tranquillement. Au moins, il a payé la voiture du Daichi Can, la voiture qu'il a gagnée aux awards. Celui qui pense que ce n'est pas l'argent, c'est lui qui voit. Et de toute façon, je suis habitué. On gagne tout le temps, mon homme. Voilà. Mais toi, personnellement, moi et toi, on est mariés. Oui, je suis là chez Abidjan, tu sais où il tourne. On ne te voit pas, hein, man, on te voit pas. Voilà. Mais même si je te vois, moi, je ne vais jamais venir vers toi. C'est toi peut-être qui vas venir vers moi. Si toi tu viens vers moi, ça dépend de comment tu vas me parler. Si tu me parles d'une manière pour essayer de me foutre en ah là 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 là, ça sent traîne depuis longtemps. Oh là là, ça sent traîne depuis longtemps. Daïch, c'est ça. Voilà, tester, rester, ça chauffe pas, ça dépasse pas, c'est froid. Mais quand Pharaon c'est froid là, c'est quoi pour. Il faut pas s'amuser. C'est comme ça. Donc, j'ai un petit message aussi pour MTN. Vous savez, MTN, Côte d'Ivoire. Moi, j'ai votre réseau. Ça fait aujourd'hui 10 ans que moi j'ai votre réseau. J'aime bien MTN. J'aime bien MTN. J'aime bien toutes les téléphonies de communication. J'aime Orange, j'aime Move, mais j'aime bien MTN. Mais MTN, et vous êtes toujours connu en tant qu'un réseau qui fait quand même bien son travail. Vous comprenez? Donc, hier, à cause de ce mot-là, là, est-ce que vous-même, vous avez vu vos commentaires? Est-ce que vous avez vu vos commentaires pendant l'événement? Vous n'avez pas vu vos commentaires, mais je sais que peut-être que vous avez vu vos commentaires. Et quand c'est comme ça, ce n'est pas bon pour votre image. Associez cette image à des gens
qui croient qu'ils sont arrivés, hein, qui n'aiment pas venir discuter quand il y a des problèmes avec leurs petits frères parce que leur fierté est trop. Mais fierté, là, nous tous, on a ça, man. Tout le monde, tous, on a ça. Je suis né garçon, je ne suis pas né PD, je ne suis pas né femme, je suis garçon. Voilà, garçon. Donc, quand tu fais tes trucs, il faut bien les faire. MTN, sachez prendre vos décisions. En tout cas, sachez aussi qu'en 2019, vous aurez aussi les awards du Deutsche Chicane. Awards du coupé décalé. Oui. Moi, je ramène ça avec mon staff. Dans mon staff, vous saurez qui sera dans mon staff, qui sera mon directeur artistique, qui sera mon assistant. Vous saurez. Et puis, on va voir maintenant. On va voir comment ça va se passer. Vous allez voir comment Dai Chican va organiser les awards. Vous allez vous croire au Beauty Award, vous allez vous croire au MTV Award. C'est ça. Hein? Vous allez vous croire même aux Afrima Awards. Voilà, c'est ça. Moi, j'aime compétir à l'international parce que je dois aller Niagara. Je dois aller tout 15 heures pour prendre les prix là-bas, venir pour donner ça à ma Côte d'Ivoire. Je suis prêt pour ma Côte d'Ivoire, je suis prêt pour ma Chine. Tu fais un événement, nous, on te soutient au début parce que, okay, c'est famille. On a regardé, non, tu es beau fils, tu es le beau de la famille. On nous met dans un tas, tu me prends pour bête. Quand tu regardes ça là, toi, tu peux prendre ça pour bête. Jamais tu peux prendre moi là pour bête. Jamais tu peux me prendre pour un bête. Tu crois me prendre pour un bête? Toi, tu as fait quoi? Tous ceux avec qui j'avais des problèmes, tu es parti organiser leur concert. Tu n'as pas regardé que non, j'étais ton petit, j'étais ton beau. Tu n'as pas regardé qu'il y a mes neveux qui sont tes enfants. Non, toi, tu as regardé ton âme. C'est ça qui me fait mal. Voilà, aujourd'hui, tu sais. C'est ça qui me fait mal. Je ne parle plus à toi aujourd'hui, je ne parle plus à toi demain. Il faut attendre. Pendant que l'on arrive, tu vas être fan de ta Coca-Cola. Pendant que l'on attends. On est ensemble. C'est Daichi. En ce moment, vous avez le freestyle du Dos Sabado. Vous avez aussi le son d'Ivan Trésor sur YouTube. Abonnez-vous massivement. Et puis encore, mes fans, je n'aime pas quand vous ne me respectez pas. Vous n'avez pas d'ordre à me donner. Vous me suivez. Si elle m'aime, elle me tue quelque part, elle m'aime, elle me tue. Mais vous savez que à chaque fois qu'il rentre quelque part, qu'il sort, qu'on l'a vous êtes Fanta Coca-Cola. Je suis tranquille dans ma gamme à l'air. Mais il fallait qu'il fasse ce direct. Parlez la vérité à ce monsieur-là. Voilà. Et puis, si un de ces gars de corps n'est pas content, il jure sur la tombe de mon père que j'aime. Essayez. Ciao.